Amigos, c'est Superba88, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Outlast, le deuxième épisode. Et on est en compagnie toujours de Azoctomic. Yo. Yo, voilà. Avant toute chose, je rappelle aussi qu'on est au Outlast Whistleblower. Donc c'est Outlast, mais on joue qu'est-ce qui s'est passé avant le premier. Dans le dernier épisode, bon, on a eu quoi? On a eu le petit cannibale, voilà, qui nous poursuit, c'est génial. Coupez le gaz, s'il vous plaît, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Couper le gaz pour accéder au sas. Putain, super, faut couper du gaz. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, je sais pas comment faire. Pas du tout. Ah, voilà. Alors, Enzo sans pression, il regarde Baby Shark pendant que je suis en train de me chier dessus. Non, j'ai écouté la musique parce que j'aime bien quand tu me chantes. Okay. D'accord. Un document, on le lit. Allez, vous savez à quel point on adore les documents. Alors qu'il y a Cannibal qui nous... Ouais. Suce derrière. Alors, cette influence sur le comportement humain. L'utilisation potentielle d'agents psychotiques dans le... Bien reconnu. Bien que les recherches sur le sujet soient plus superficielles que ce à quoi on pourrait s'attendre. La branche chimie l'inclut comme objectif dans son programme à élaborer pour rendre ce type d'action possible. Des méthodes non chimiques pour accomplir des actions politiques sont aussi comprises dans le programme. Note, J1 à 15 avril 1958, présentait l'extrait de Multra ci-dessus à la division des services techniques pour établir un budget et obtenir les autorisations pour la recherche permanente sur les travaux du docteur Rudolph. Mais Wernick... Gilles Lauer, c'est pas nous. Quoi? Gilles Lauer, c'est pas nous. Non. Wernick et le projet War Rider, d'accord. L'autopsie des sujets de test retrouvés a mis en évidence une composition chimique des corps. Tumeur composition sous-cutanée. Indiquant un fort dosage d'agents psychoactifs. Voir la note, je sais pas quoi. Ok. Donc à un moment donné, voilà. Donc c'était d'anciens documents de recherche du projet War Rider. Qui a magnifiquement. Nurse Station, c'est quoi ça? Nurse, ça veut dire. Infirmier. C'est l'infirmerie. Oui. Là où il y a les médicaments, si tu veux. Putain. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Ok. Ah, c'est génial. Ma passion, c'est de mettre des cagoules sur une porte en bois. C'est ça. Et j'adore faire ça. Oh la vache. Oh, lui, c'est horrible. Non mais arrête de mettre des coups, ça c'est stressant. On en parle que la 237 demande de l'aide. Bah oui, c'est la chambre à gaz. Non, la chambre 237. Bah c'est... Oui, c'est la chambre à gaz. C'est bien qu'il y a un vivant. Je n'en sais rien. Oh mon dieu, j'ai fait flipper. C'est quelle chambre en fait qui a fouillé? La 237, elle est éliminée là. 227. On va fouiller les chambres. Oh non. Bah voilà, hein, faut trouver des piles, hein, sinon quand on est baisé, on sera dans le noir complet après. Il t'a plu. En même temps, on est assez loin.
En fait, c'est ce qui... Si on l'entend taper. Il veut pas arrêter de tomber dedans, il va se mettre sur le crâne le pire. Bon, bah, en même temps, il est con, c'est un interdit. Toi, tu dis ça, mais... Bah oui, attends. On est dans un hôpital psychiatrique. Ah putain, c'est cannibale! C'est le cannibale! C'est le cannibale! C'est le cannibale! Ferme la porte! Non! 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 Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Reste devant, reste devant! Mais il va regarder! Il va regarder! Mais il va regarder! Non, mais il est trop con, regarde! Mais non, il va regarder! Mon dieu! Il ouvre la porte! Ah putain! Oh, c'est horrible. Oh, je déteste ce jeu. Bah je me recache sous le lit. You were mine. Je le troll. C'est génial. Qu'est-ce que c'est de la porte? Qu'est-ce que c'est de la porte? Oh, y'a un conduit! Oh là là! Oh mon dieu! Ah, je déteste ce genre de truc! Ça, c'est que ça nous amène dans une autre chambre là en fait. Ça nous amène dans une autre chambre, mais on a déjà été dans la chambre là. Oh oui, hein. Et là, tu vois le... Ah la vache! Oh, j'ai chaud à force là! Attendez, attendez, j'enlève mon t-shirt. Enfin, j'enlève mon. Parce que je vais couvrir maintenant. Oh! T'es sûr qu'il est là? Mais c'est sûr. Allez! YOLO! C'est génial. Il est où? Je sais pas. Je l'ignore. Il est pas là. On va à la chambre. Ah putain! Non, oui! Oui! Ça y est, je ça va tomber. Ouais, c'est sûr et certain. Moi je vais sous le lit au cas où. Vas-y, vas-y. On ne s'y attendait pas du tout. C'est toi qui regarde. Quoi? Il est pas là. C'est bon, il est plus là. Vite, couille-toi le temps que tu peux. Il y a un screamer. C'est trop calme. Ouais. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas que ça fait ça. Ok, c'est mon ombre. Du coup, en fait, on a la même gueule que tout le monde. Normalement, ouais. Couper le gaz pour accéder. C'est quoi là en fait? Ah bah y'a un gars en fait qui a ouvert la porte. Là tout le monde a peur. Oh putain. Come away!
Ah, c'est ça, les gaz. C'est qui parle là? Oh putain, il y a le cannibale là. Oui. Bah, t'entends? La scie? Oui, mais de quel côté? Je sais pas. J'entends de la scie. Putain. Et du coup, les PC gamers, ils sont pas mal, hein. Les PC gamers. Bah, faut bien rigoler un peu, hein. C'est qui toi ton youtubeur favori? Aucun. Aucun. Le mec qui essaye de démonter le bouton de pression, mais il n'arrive pas. C'est dans le normal, il y a vraiment. Et un quoi? Non 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 non. Non non, c'est vraiment un nouveau personnage ça. Je reprends mes esprits puisque là. C'est un truc de dingue. Respire. C'est un truc de dingue à jouer, tu comprends pas. Ah oui mais c'est pour ça que j'ai pas envie en fait. Parce que je comprends que c'est horrible. Allez YOLO! Putain! Mais t'as pas vu. Je sors le caméra au cas où. Il est juste là! Il est juste devant! Il est juste devant! Je m'en fous, je sors pas tout de suite. C'est cool, j'ai l'épisode 2. Je crois que je vais rester dans ce casier, il est très bien. Et ça fait perdre ta batterie. Où aller? Ah putain, il est là! Je stresse pour rien. Pour mon bien-être, je me cache en fait. Putain, il est là, il m'a suivi en fait. Il faut pas être suivi. Putain, il est trop con. Il est trop con. On veut de l'aide, je sais pas où aller. Alors, je crois que on va faire comme l'année dernière, comme j'ai fait dans l'ancien let's play. On va faire un YOLO. Yep. YOLO. Alors, je crois qu'on comme je commençais là, ouais, on va faire un YOLO. D'accord les gens? C'est quoi un YOLO? Pour moi, en fait, un YOLO, c'est une tradition, hein, vraiment, c'est... En fait, un YOLO, c'est de partir en courant, sans s'arrêter, sans savoir où on va. C'est génial. Ouais. Ça vous dit qu'on fasse ça? Bah moi, je fais. C'est parti. J'ai pas vraiment du tout envie. Allez, c'est parti. Alors, je suis une grosse poumouille. Hein. Ah, ah putain, fils de. Je sais pas où je vais, il y a une planche en bois. Oui. Fallait aller là. Voilà, c'est ça un YOLO. Nique sa mère, j'ai réussi. Est-ce qu'il faut monter?
Non, il peut pas monter. Alors attendez, parce que je trouve que c'est un peu fort pour moi. Non, moi c'est bien. Je sais pas comment vous entendez. Moi j'ai juste baissé le son de moi. Gaz room. Ah, c'est ce qu'on voulait depuis tout à l'heure. Enfin, c'est pas trop tôt, tout ça pour ça. Oh mon dieu. Oui. En plus, on a un trophée. Anti-fiction. Oh la vache. Alors, j'espère que t'as kiffé ce moment-là. Putain. On doit vraiment faire l'aller-retour. Oh, ils aiment vraiment bien. Hein. Non, faire des allers-retours. Les jeux vidéo. Salut! Salut! Enculé! Merde, y'a pas de sortie! Méchant! Méchant! Voilà, l'un demain? Oui, je sais. Avec Zoptimum, bien sûr. Ouais, surtout. T'as eu ma planque? Surtout pas du tout trop cramé. Ah putain! Il m'a vu. Non, c'est mort, il va fouiller. Il va en fouiller. J'ai pas envie. Il est peut-être contre le mur. Il a pas fouillé, mais il est trop con. En même temps, c'est un bot. Oui, ben le mode psychose, tu crèves, tu recommences depuis le début du jeu. Oui. Putain. Ah bah oui, c'est vrai. Et en plus, ces tueurs, ils sont un peu plus chou. Ça se trouve, il fallait pas aller là. Faut faire quoi? Aller à la radio dans la prison. Bah oui, mais comment on fait, bordel? Est-ce que tu... Oui, mais ça amène là où il y a le cannibale. Je n'ai pas envie. Ah oui, mais c'est par là qu'il faut aller, non? Bah ouais, mais c'est marrant, tu sais où est la sortie? Voilà. Et je suis au même stade que toi et je vis les mêmes émotions que toi, hein, tu sais. Je crois que je vais faire à la panique pour le coup. J'ai réussi à aller dans la game de Zero One Dunk Now tout à l'heure sur le serveur de US et bah je me suis fait humilier. Ah bah tu m'étonnes. Ah d'accord. Si Tatamise veut bien, je pense que je suis 10 fois plus fort que toi. Bah tu sais, Il est dans le niveau de 100. Comment? Plus fort que où? Sur quoi? Sur quel jeu? Bah sur ce jeu, je pense que j'ai crié beaucoup plus fort que toi. Parce que moi je le vis à 300% ton truc. Bah tu sais c'est qui Z1 Link Now? C'est un joueur pro. Enfin c'est un ancien joueur pro. Ouais. Ah je le plein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Reste caché tout le jeu. T'imagines? Let's play où il est que caché. C'est le chien. Ah mais oui, faut aller là. Bah oui, faut aller là. Fallait aller là, bah oui. Fallait faire l'aller-retour, bah oui. En plus, je la vois cassée en... à force de gueuler. Je la vois tout enrouée. En plus, comment j'ai crié, fils de pute. À voix haute. Et oui, l'accès est ouvert là. Et ouais. Ah, chargement. Ok. Bon, on sait ce qui va se passer. Hein. Non, c'est pas une sauvegarde. Attention, c'est pas une sauvegarde. Ah! C'est louche. Ah! On va dehors. On est dehors là. T'imagines un let's play qui dure que 2 minutes?
qui dure deux épisodes. 50 40 exactement. Ah oh, j'aime pas ça. Ah oh, j'aime pas ça, en plus la vision nocturne elle est complètement nul. Nul ouais. On va se quitter avec la lumière, hein. Allonger les. Je sais même pas où on va. Putain, c'est quoi ça? C'est tombé quoi. Et là, t'as le point, c'est sûr. Ou t'as un nouveau. Tu peux pas aller là? Tout ce comment ça va se passer. Bah oui. Et moi je sais, c'est moi qui va encore prendre, comme d'hab. Oui. Ah, un nouveau qui. Sauvegarde. Oh putain, là il y a une sauvegarde là. Ouais, c'est génial. Ah bon? Non, c'est pas génial du tout. C'est génial, c'est génial. Oh, putain. On va pas aller. On tasse les deux portes, hein, on sait jamais. Hein. Génial. C'est génial. Oui, oui, c'est un délire. Ah! C'est pas un accès, ça. C'est quoi ça? Y'a un mec, hein. Ouais. Je m'en fous, je me barre, etc. Ben, on peut pas aller là? Oh! Y'a un gars là! Où? Oh non, 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 ça. D'accord, la porte s'est ouverte. Il y avait un gars là, il était descendu. Oh non, me dis pas qu'on va y avoir une course poursuite dans la forêt en plus qu'on voit que dalle. Oh non, s'il vous plaît, tout sauf ça. Bon, je crois qu'on va pas rencontrer les anciens tueurs hein, de. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Du premier. Je crois pas. Hein. Enfin, les voir. On n'en sait rien. Attaque à voir le la première série. Oui, j'irai voir d'autres questions. Sans t'as qu'à me dire quelque chose, je le ferai. Hein. Tu me dis, va voir ça, je vais pouvoir. Alors, attends. Ah, génial. Oh mon dieu. Ah. Il a plus de tête. Hein. Le cannibale, il est là. Je sais pas si le cannibale, il est sorti, là. Je... Attends, y'a un trou là, non? Oui, faut que tu sois. Quand il fait jour en fait, dans. Non. Je suis mort. Entendu le bruit? Non. Y'a eu un. Est-ce qu'il l'a entendu? Ah! J'aime pas du tout les échelles. Dans ce jeu. Surtout qu'on sait pas ce qu'il y en a. Sauvegarde, ok. D'accord, sauvegarde. Surtout, on ne stresse pas. Non. Surtout, ne pas stresser. Il looks. La dernière. Oh non, pas eux. Ce sont les frères jumeaux du premier.
Ils veulent bouffer ma langue et mon foie. Oh non, pas eux. Oh, putain. Je voulais pas rencontrer les anciens du premier. Oh putain, non. Non, 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 non. Allez, allez. On nous. Parce que... Oh, putain, ils sont là. Je fais quoi? Hey, salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a au moins un an. Hein? Salut. Salut. Ça va, tranquille la forme. Je fais que passer. Vite, vite. Bah, il y avait les jumeaux là qui étaient en train de me suivre là. Sauvegarde. Attends, attends, je sais ce qu'ils sont. Hein. Ils sont pas nets dans leur tête. Hein. Son frère jumeau, quoi, c'est tout. Et ils adorent tuer. Allez, un petit document. Allez, petite pause lecture. C'est parti. Allez. Kurt, on en a un autre. Et je ne suis pas sûr que vous pourrez le ranger dans la catégorie psychopathe de proximité. Un agent de sécurité du bloc administratif est le dernier employé en date à voir les comptes de fées de Wernick. Il n'a jamais été directement exposé au moteur d'angle. Il n'est jamais descendu plus bas qu'au niveau 1 dans le bâtiment. Ce serait une énorme faille de protocole et de sécurité si les docteurs parlaient de War Rider en étant à portée de voix d'un agent de sécurité. Et il est hautement improbable qu'il soit tombé par hasard sur une obscure histoire de mythologie. Ce cas est trop similaire à celui du docteur Samuel. Ou d'autres avant lui. C'est une chose que les délires des patients affectent du personnel médical officiellement sain d'esprit. C'en est une autre que ses croyances soient. Je ne sais pas. Ventiler, nous devons nous parler en personne. Billing. D'accord. Je sais pas comment prononcer ça. Y a pas une pile? Une petite pile, non? Bon, ok. T'imagines, on voit le docteur qui coupe le bébé. Non, non, il est mort le docteur. C'est... Ah oui, bah, ouais, c'est vrai. On va courir. Bon. Oh, God, ça. Oh mon dieu. C'est des gros bâtards quand même. Ça fait stresser pour rien. D'accord, il y a une échelle, on va quand même passer par là. Ok, y'a rien. Super. Oh. C'est génial. Don't trust them. Allez. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Donc Billy, c'est le patient qui s'est fait qui a subi l'expérience qui a foiré. Vous l'avez vu là. En train de s'amuser à faire des ombres chinoises. C'est la triste du World War.
Ah, c'est la radio. C'est la radio. C'est la radio, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on cherche. Oh non, il pète la radio. Ah, mais c'est lui là qui nous a. You couldn't just keep your mouth. I couldn't just play along. Quoi? Oh, je connaissais aussi. Do me a favor and die here, Park. Je reconnais ce souffle. Oh non. C'est Little Piggy. C'est un gros. Ah putain! Voilà, salut. Salut. Bah, il faisait partie des premiers tueurs. Par au nom d'ici. Oui, c'est plutôt Chris Walker, mais moi je l'appelle Petit Cochon. Parce qu'il me traite de Petit Cochon. L'évacuation d'urgence est en cours. Allez, je vais vous dire maintenant dans le bloc. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Ah, je suis déjà passé par là dans le 1. Oh, je suis passé là dans le 1. Oula. T'es méchant, mais dans le premier t'étais gentil. Tu croyais à la magie, je pense. Eric, c'était sympa sur le green la semaine passée. Faudrait remettre ça plus souvent. Je regardais de vieux rapports de tests de temps des débuts du projet Wild Rider et quelque chose a éveillé mon intérêt. Suivais-tu déjà le projet en 2010? Apparemment, on avait des problèmes avec des employés développant des grossesses psychomatiques. C'est quoi ces mots? Quelque chose à voir avec l'interaction du moteur morphogénique avec leur système immunitaire, non? C'est du chinois pour moi, est-ce correct? La plupart du temps, c'était fatal et il ne s'agissait pas de patience. Mais d'employés, donc l'affaire était un peu plus difficile à étouffer. Mais l'activité du moteur morphogénique dans la moelle de ces femmes dépassait de loin la norme. En plus, ces femmes n'avaient jamais été exposées à une thérapie hormonale. Maintenant, je ne connais rien au PPM. Mais je sais lire une feuille de calcul, et si les bénéfices estimés du projet Warrider correspondent à la moitié des chiffres avancés, j'aurais juste une question. Pourquoi ne faisons-nous pas de tests sur les femmes? Dieu sait si la maladie mentale est opportunité unisexe. Ça serait pas éthique de négliger une telle aubaine. Cordialement, je... Ok. Je ne vais pas faire des tests sur les femmes. Quelle expérience. Oh god, one of them's coming. It's not even human anymore. Block it. Shut it in. Les gros bâtards, ils nous enferment. Ah, c'est bien propre hein, par rapport au premier. Hein. C'est bien propre. Hein. C'est bien propre. Hein. Là, normalement, l'écran là, il est décapité, je crois.
Il est décapité, plein de taches de sang. Là, ici, normalement, là, je crois qu'il y a un cinglé là qui garde ici. Qui bute un gars. Oh putain, il est au piggy. J'aime pas les trucs sur les toits parce que je sais jamais qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois. C'est quoi ça? Oh, on est en sécurité, ouais. C'est quoi ça? Ok, une petite pile. On va lire le document. On n'a pas lu ça. Le marié. Sous le nombril, des genoux au-dessus, sur la table de Glusquin, tranché et recousu, pour refaire un espace dans lequel pousser, le marié se fera lui-même une mariée. Oula. Sous le nombril, des genoux au-dessus, sur la table du Glusquin tranché et recousu, pour faire un espace dans lequel pousser, le marié se fera lui-même une mariée. Mais ça se répète à chaque fois. Le marié se fera lui-même une mariée. Ça me dit quelque chose. J'ai même peur. Et bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et à me suivre sur Twitch car je live tous les week-ends et les vacances et tous les soirs. C'était Superbe88 avec Azoctomy qui on vous dit ciao. Ciao.